Yo les gamers, c'est Zarico5X, comment allez-vous mes chers amis et mes chers abonnés? Bah écoutez, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 qui a été faite par Raj Mariga, une grande dédicace à lui où il va nous faire une triple Moabé en mêlée générale. C'est très très facile, vous allez me dire ouais mais comment ça se fait? Alors il suffit juste de faire la première Moabé, tu quittes la partie et tu reviens et ainsi de suite. Enfin bref, vous avez compris. Comme vous avez pu remarquer dans le titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible. C'est un sujet qui est... Ça m'a touché sérieusement quand j'ai entendu parler de ça directement. Une grande dédicace à Ayman aussi qui m'avait envoyé les liens de ces youtubeurs. Je suis tombé du haut. Quand je vous dis que je suis tombé du haut, vraiment je suis tombé du haut. Ça fait 3 jours de ça sur ma chaîne principale parce que cette vidéo peut-être aussi elle va passer sur la Now You Rage. J'ai parlé de l'escroquerie sur Skype qui est les femmes qu'elles font des striptease, tu vois. Donc il y a des femmes qu'elles t'envoient une demande sur Facebook, blablabla, vous connaissez déjà la vidéo. Peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Je parlais sur des femmes qui t'invitent sur Facebook, qui demandent un Skype. Après elle te fait un appel vidéo, elle te fait un striptease. Et en fin de compte, c'est un mec derrière son PC. Après, elle va demander 5 000 €. Ça, c'est juste pour choper les gens qui sont faibles d'esprit. On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, on va parler d'un youtubeur, frère. D'un youtubeur qui a 1 500 000 abonnés. Qui l'ont démasqué. C'était un pédophile. Attention, quand je dis pédophile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un mec qui a 29 ans. Parce que le youtubeur, il a 29 ans en question. Il aime les petites filles. 15 ans, 13, 14, 15 ans. Et croyez-moi, il y a toujours des preuves. Et je vais vous mettre dans la description justement des liens, des vidéos et des photos. Allez juste les voir. Bref, c'est youtubeur, il a 29 ans, c'est un américain, c'est pas un français car je sais que la plupart ils vont dire ouais, peut-être c'est un youtubeur français. Ah, il y en a quelques-uns, peut-être ils vont avoir le sourire juste pour démasquer un youtubeur français. Non, je fais pas ça, vous ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour ça ou pour chercher le buzz ou quoi que ce soit. Et je m'en fous, même si cette vidéo elle fait le buzz, je n'en ai rien à foutre. On est là juste pour parler d'un sujet assez sensible. Bref, ce mec-là, il a 29 ans. Ce qu'il fait en fait, c'est comme tout le monde. Moi, j'ai des abonnés féminines. Comme j'ai des abonnés masculins, on est bien d'accord. T'as des gens qui te follow sur Twitter pour voir tes news, tes nouvelles vidéos, blablabla. Ce mec là, en fait, c'est ce qu'il fait sur Twitter. Il choisit les filles, c'est qu'elles ont des jolies photos, on va dire ça comme ça. Ah, toi tes photos, elles me rend fou, blablabla. Viens sur Skype. Et elle, en fait, pour elle, elle croit vraiment qu'ils sont youtubeurs. Voilà, il aime bien ses photos, voilà. Elle va pas imaginer autre chose, tu vois le délire. C'est pas, c'est comme moi, je fais confiance à un gros youtubeur comme Monsieur V12 ou Wartech quand il me dit « Ah Jericho, franchement, j'aime bien tes photos, j'aime bien tes vidéos et tout. Viens sur Skype. » Je crois qu'il va me donner des conseils ou autre, tu vois. Voilà, on a toujours confiance à quelqu'un qui est derrière son PC, qui nous fait des commentaires et tout. Mais on va pas s'imaginer autre chose. Bref, ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il invite ses abonnés, les plus jeunes. Il invite sur Skype, il lui fait... des conversations Skype, vidéo bien sûr, et après il va lui faire des avancées sexuelles. Où va le monde? J'aimerais bien savoir où va le monde. Sur YouTube, on est là pour présenter des vidéos, pour donner des conseils, pour donner des jolis gameplays, pour montrer ce qu'on peut faire ou autre. Ça devient un monde sexuel. Eh frère, je vais dire un truc. Crois-moi. Un youtubeur de 1 500 000 abonnés, moi, pour moi, ce mec-là, il mérite la prison directe. Déjà, vous savez comment on traite les pédophiles en France. Le mec, pour lui, une fille de 22, 23 ans, non, c'est une vieille pour lui. Il préfère les filles de 10, 15 ans qu'une fille, bref. Le mec, déjà, il a 29 ans. Il sort avec une youtubeuse de 400 000 abonnés, je pense. Quand il a sorti avec elle, il avait 28 ans et elle avait 17 ans. Elle était même pas encore majeure. Ils ont déjà coché ensemble et blablabla. Maintenant, il a 29 ans, il envoie des photos, des trucs à des petites mineures. S'il te plaît, imagine l'histoire. Je suis choqué, moi, personnellement. On s'en fout de YouTube. On s'en branle de YouTube, sa mère. On s'en branle des vidéos, ceci, cela. Mais lui, en personne... Expliquez-moi comment ils pensent. C'est un être humain ou c'est un animal? Même les animaux, ils pensent pas comme ça, je pense. Peut-être c'est un malade mental ou autre. Non, le mec, il profite de la confiance de ses abonnés mineurs pour faire ça. Les inviter sur Twitter. J'aime bien tes photos, ça me rend fou. Et elle est contente, la petite. Ouais, voilà. Par exemple, je sais pas, moi, ah, Jericho, franchement, il a aimé mes photos et tout, c'est gentil, Jericho, je te kiffe, l'année dernière. Et moi, en fait, dans ma tête, j'ai un autre plan. Voilà, je t'invite sur Skype, je te fais des avancées sexuelles. Il y a un abonné, c'est un américain, je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description et allez le visiter. Hein.
Vous avez vu déjà devant la au tout début de la vidéo comment elle a commencé à crier et tout. Parce qu'il a vu comment ils l'ont démasqué, elle a commencé à crier. Et je vais vous envoyer carrément un autre lien d'une autre vidéo d'un autre youtubeur qui a 400 000 abonnés, je pense qu'il a parlé de ça. De son cas. Où va le monde, sérieusement? Ah, mais il faut que YouTube surveille certaines choses, hein. Franchement, je vais vous dire un truc. On s'en fout si sa chaîne elle ferme ou autre, c'est pas ça notre souci. Mais franchement, profitez des gens faibles d'esprit. C'est pas faible d'esprit qu'ils ont confiance en lui. Comme moi, comme je dis, j'ai confiance à un grand youtubeur. Il a aimé une photo de profil de moi, par exemple, je sais pas quoi, et voilà quoi. J'aimerais bien avoir vos avis dans l'espace de commentaires. Laissez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et puis me dire si vous avez pas aimé la vidéo aussi, me dire ce que vous en pensez de ce qui s'est passé. Car vraiment ça devient ouf les gars. Où va le monde justement? Où va le monde? Un youtubeur pédophile de 1 500 000 abonnés frère. Réfléchis juste à ça. Et now you rage. Sur ce je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaraiko, bye bye, ciao ciao.